C'est un bon match parce que on sait très bien que Lorient est plus vif, ils étaient plus en jambes, on a eu un peu de mal à rentrer dans la partie. Puis au fil du temps, on a bien manœuvré, on s'est créé des occasions, même si eux aussi ont été dangereux. On progresse, il y a encore des choses à régler, mais bon, c'est pas mal. Après une semaine de préparation où ça a été dur, ça a été long, donc voilà. Un bon match ce soir avec la semaine qu'on a fait. Je peux dire que le match était un peu difficile quand même, vu je pense que c'était dû peut-être à la fatigue. Mais bon, on a essayé de s'accrocher, essayer de trouver un peu les automatismes. C'était un match où on commençait à être dans le vrai. Ça a été un peu fermé. Il y a eu quelques occasions, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le public et pour nous-mêmes. On aurait pu faire la différence sur une ou deux actions, mais ça n'a pas été le cas et c'est dommage pour nous. De positif, je pense que vu les pressings, un peu tout, les placements défensifs, je pense que ça a été très bien ce qu'on faisait pas vraiment. Le but va venir, ça devrait récompenser un travail. J'espère que bon, déjà contre l'Inter, on sera mieux physiquement. Bon, maintenant c'est l'Inter, c'est un autre morceau, mais ça fait rien. Il faut jouer, il faut essayer de faire le maximum. Ce soir, il y a eu du mieux dans certains domaines. Il y a encore beaucoup à faire. On travaille beaucoup, même si c'est difficile pour les jambes. Pas tout le monde est au même niveau physiquement. Mais tous ensemble, on fournit un gros travail pour avancer. Et je pense que oui, l'équipe avance bien. Et j'espère qu'on sera prêt pour le début du championnat. Oui, c'était la première fois que je faisais 90 minutes. Voilà, je suis content de les avoir fait. Voilà, je me sens bien, j'ai bien tout repris mes repères et tout. Je me sens bien, voilà, tranquille serein pour reprendre le championnat.